RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. La campagne pour les municipales s'accélère, c'est le cas notamment à Païta. Votre invité ce matin, Elisabeth, est officiellement candidate depuis ce week-end. Et oui, notre invité du matin, c'est le maire de Païta, Willy Gatéaou, maire de Païta, désormais candidat à la mairie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation alors que vous avez officiellement lancé votre campagne samedi. Vous êtes maire depuis 10 mois maintenant, depuis qu'Harold Martin s'est retiré. En fait, votre candidature ne faisait aucun doute. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moment pour lancer votre campagne ? Bah écoutez, moi, je pense que on rentre dans une période où il faut savoir laisser tranquille les Calédoniens. On vient de sortir d'une année scolaire chargée, et ensuite, les Calédoniens ont un peu la tête dans les vacances. Voilà, et puis les laisser tranquille parce qu'ils doivent préparer leur fête. Donc vous vous êtes dit que mieux valait quand même lancer votre candidature avant les vacances, pour que tout le monde sache d'ores et déjà que vous étiez candidat à un nouveau mandat. Non, mais il convenait effectivement à ce que j'annonce les choses de manière officielle. Après en avoir discuté avec les miens, bien évidemment, parce que cette candidature s'est préparée. Alors j'ai envie de vous parler ici des réunions de proximité que j'ai eu à mener depuis 2017, mais surtout le 29 septembre dernier, j'ai pu rencontrer l'ensemble des militants et sympathisants, surtout mes amis, pour en parler tous ensemble, notamment sur comment on allait se positionner et préparer ces élections. Alors parlez-nous un petit peu de votre liste. Elle va être renouvelée par rapport à l'équipe sortante ou vous reprenez les mêmes ? Non, il y aura bien évidemment un renouvellement. Vous savez, à chaque époque, ces hommes. Et je parle également de pratique, donc de méthode. Je dis ça pourquoi ? Parce que Païta, en 95, c'était 5700 habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 26 000. Donc, on ne peut plus fonctionner de la même manière. Et pour ça, il faut comme on dit, il faut être dans son époque. Alors, l'un de vos slogans, c'est « Païta en confiance ». Ça veut dire que c'est une liste « Avenir en confiance ». Alors, je suis secrétaire général d'une des composantes de l'Avenir en confiance, qui sont les Républicains calédoniens. Un mouvement dont je suis l'un des secrétaires généraux. Donc, effectivement, le lien est fait. Hein. Donc voilà. Qui aura comme candidat, par exemple, qui concourra avec vous ? Il y a quelques noms nouveaux, quelques noms un peu emblématiques dans cette liste ? Bah écoutez, il y a 26 000 habitants sur Païta. Nous sommes en démocratie. On aurait pu imaginer qu'il y ait 26 000 candidats. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est ouvert. C'est ainsi va la démocratie sur Païta. Donc, chacun prendra ses responsabilités. Alors, votre slogan, c'est « Unis pour la ville ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a besoin d'unité aujourd'hui à Païta, davantage Non, je unis pour la ville. Pourquoi ? Parce que c'est mon seul objectif. Vous savez, je me lève le matin et je pense Païta. Je me couche le soir en pensant Païta. Je mange Païta, je bois Païta. Et je fais ça depuis 25 ans. Et unis pour la ville, pourquoi ? Parce que pendant que certains appellent à d'autres unités, moi, la seule unité à laquelle j'appelle, c'est celle-là, avec la population. Je crois qu'il est temps de rendre la commune à ses habitants, en termes de gouvernance notamment. D'autres appellent ça la démocratie participative. Moi, je la réalise sur Païta. Alors, je sens que vous avez fait beaucoup de réunions de proximité, vous nous en parliez tout à l'heure. C'est comme ça que vous avez constitué votre programme, en rencontrant la population de Païta. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Oui, tout à fait. Vous savez, on apprend beaucoup de choses quand on rencontre les administrés, surtout quand on leur donne la parole. C'était le cas en 2017, 2018 et cette année encore. Ces réunions de proximité permettaient effectivement à ces administrés de dire à ceux qui les représentent, le maire le premier, ce qu'ils attendent de leur municipalité. Donc j'ai eu l'occasion, à ce même micro, de faire un bilan de ces réunions de proximité. Alors ça va, je parle des préoccupations des administrés qui ont été exprimées, ça va des travaux, rien de compliqué, ça touche le cadre de vie, leur quotidien. Les travaux, c'est les routes, c'est l'éclairage public. Bien sûr, la question de la sécurité, tout ça fait que les administrés de Païta sont très au fait des sujets d'avenir. Je pense notamment à la transition énergétique, à la question de l'environnement, mais aussi au développement économique qu'il ne faut pas opposer à la question environnementale. Alors, je sens vos projets essentiels pour ce nouveau mandat. Vous avez déjà identifié quelques opérations que vous vouliez mener, proposer ? Alors,
Vous savez, je suis élu, on va dire, jusqu'au 14 mars, la veille du premier tour. Donc jusqu'au 14 mars, j'assumerai mes responsabilités. Donc récemment, nous avons lancé un certain nombre d'investissements, c'est-à-dire les travaux de routiers, de l'ordre de 600 millions. Donc, et je vais poursuivre les 6 années à venir. Donc, il s'agit de préparer une programmation, quel que soit le sujet, notamment sur les travaux, sur les 6 années à venir. On doit savoir, les administrés de Païta doivent savoir chaque année ce qui sera fait en matière de route, en matière d'éclairage, en matière de sécurité, en matière de développement économique. Parce que c'est là aussi un des chevaux de bataille que je vais défendre, c'est ce que j'appelle le partenariat public-privé. Je l'ai dit, je le redis encore, il faut que le public apprenne à travailler mieux avec le privé. La sécurité, est-ce que ça reste une préoccupation importante des habitants de Païta? On sait que vous avez récemment créé une police municipale. Alors, je ne voudrais pas laisser croire que la police municipale que j'ai créée récemment soit la panacée. Non. La meilleure sécurité, c'est celle à laquelle participe chaque administré de la commune. Donc, ça passe par l'incivilité qu'il faut combattre. Ça passe par l'éducation, notamment. Et puis, la police municipale, pour parler de cette police municipale, donc il conviendra effectivement que cette police municipale puisse être renforcée les 6 années à venir. Ce que je prévois moi dès 2021, c'est mettre en place un poste avancé dans le nord de la commune, c'est-à-dire à la Tontouta. Alors, quels seront vos adversaires pour ces élections municipales? Est-ce que vous avez déjà une idée? On sait qu'il y a déjà Génération NC et Calédonie Ensemble qui ont présenté leurs candidats. Oui. Vous avez une idée un petit peu de qui aura face à vous? Bah, écoutez, moi, j'ai aucune idée comme vous. Je sais aujourd'hui que 2 candidats se sont déclarés. Moi, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire valoir, entre autres, c'est mes 25 ans d'expérience. Alors vous êtes aussi le premier maire calédonien d'origine wallisienne. La communauté wallisienne est importante, bien sûr, à Païta. Est-ce que l'éveil océanien peut également être un adversaire que vous redoutez? Vous savez, quand on se lance dans la bataille, comme je suis en train de le faire, il faut avoir peur de rien. Hein. Moi, il y a rien qui me fait peur. Donc, je le redis encore, la démocratie permet aux uns aux autres de s'exprimer, y compris l'éveil océanien. Voilà, et les administrés décideront. On est obligé de vous poser la question, Willy Gataou, vos rendez-vous judiciaires, est-ce que ça va être un handicap dans cette campagne? Alors, j'aurais pu apporter ici sur ce plateau, Elisabeth, ce qu'on appelle, vous savez, un extrait de casier judiciaire, le bulletin numéro 3, qui a été signé par le procureur de la République, bien entendu, qui démontre bien que mon casier judiciaire est vierge. Donc voilà, il faut laisser à la justice ce qui concerne la justice, et je pense que c'est pas le sujet qui intéresse les administrés de Païta. Je le redis, c'est le quotidien, leur cadre de vie, les routes, l'éclairage, la sécurité, les écoles, puisque nous sommes actuellement en train de réfléchir à la nouvelle école qui devrait être ouverte 2022. Vous avez donc annoncé officiellement votre candidature ce samedi. Quel va être votre calendrier maintenant, puisque ce sont les vacances? Vous allez poursuivre sur le terrain? Comment est-ce que vous voyez les choses, l'annonce de votre programme? Alors, je poursuis. J'ai envie de vous dire, Elisabeth, que ça fait 25 ans que je fais campagne. Pour la suite, c'est-à-dire qu'on va dévoiler notre programme aux alentours de la première quinzaine de janvier. Et puis la campagne qui va être là. Comment? C'est très tôt. C'est très tôt, vous savez, moi je n'ai jamais stressé. Hein. Encore ce soir, j'ai rendez-vous avec des administrés, ce week-end également, le week-end dernier, tous les jours. Hein. Donc je pense que Païta est une commune qui mérite effectivement qu'on y accorde beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est mon cas, je n'ai qu'un seul mandat, hein, c'est celui de maire. Païta Ville Connectée également, vous y tenez et vous allez également faire campagne par ce biais-là? Oui, parce que pour revenir au nom de la liste, Païta en confiance, pourquoi? Parce que rien ne peut se construire en dehors de la confiance. Donc cette confiance, si besoin en était, il faut la restaurer. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une distance entre les élus et la population. Donc, si besoin en était, je le redis, cette confiance doit être restaurée. Et c'est le cas sur Païta. Donc, je le redis, rien ne peut se faire sans la confiance entre
entre la municipalité et ses habitants. Alors, j'ai envie d'expliquer ici que au-delà de la formule banale qui est de dire parler de démocratie participative, les deux mois derniers, nous avons travaillé avec l'ensemble des militants à construire ce programme que nous allons défendre pendant les élections municipales. Et ce programme, ils pourront le retrouver sur Internet. Vous allez faire une oui, tout à fait, tout à fait. Pour... Mais je ne voudrais pas que ce programme soit une fin en soi, soit la Bible. Je considère que tout au long du mandat, au-delà d'une élection municipale, le rôle de l'élu et le maire le premier, c'est d'aller à la rencontre de ses administrés. Donc, je poursuivrai mes réunions dites de proximité, de sorte au fil du temps de réajuster le tir. Willy Gataou, maire de Païta et candidat désormais à sa propre succession. Merci d'accepter notre invitation. Merci.